Oui, tu veux des œufs? Tu veux des œufs? Oui. Il me revoit directement. Si tu as le nez qui coule, il faut venir me voir, d'accord? Hein? Si tu as le nez qui coule, il faut venir me voir. Oui. Je vais quoi? I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Mes petits chats sont en train de jouer tranquillement chacun de son côté, Aya avec les Lego et Wail avec ses Spider-Man. Maman prépare le petit déjeuner et papa est parti chercher les croissants et le pain. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. D'aller à la piscine? Oui. T'as déjà mis ton maillot, toi? Oui. Tu as mis ton maillot? Oui. Bah alors, il est où, papa? Il est là-bas. Tu penses? Oui. Vas-y. Non, c'est pas déchiré. Bah, c'est pas grave. Maman, la prochaine fois, va te mettre d'autres. Je vais aller chez ta maman pour partir. Et pour pas demander à ta soeur. Oui, oui, la clé. Alors, il est revenu. Et c'est toi, c'est moi qui veux venir. C'est toi qui m'appelle. Oui! Il a un gros maison loup. Je monte comme ça. Tu vas attaquer, tu vas rester comme ça. Et il est comme 1000 morceaux. Et voyez, tu vas la pousser pour pouvoir la faire tomber. Après, je vais. Tu veux qu'elle bouge. C'est ce que ça va faire. Plus de mal. Voyez, c'est
Après, tu vas appeler maman et après, maman puis, va venir. Tu vas faire pipi et on va avoir un téléphone de malin. Après, tu vas appeler Spider-Man moi et après, tu viens. D'accord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi, donc vous aurez eu cette vidéo que le samedi d'après. Mais j'avais vraiment envie de filmer, même pour moi, puisque ça me reste un souvenir de leur premier cours, leur première fois où ils ont été à leur cours de natation. J'étais trop contente, j'étais aussi excitée que ce matin. Mais bon, on était un peu à la bourre. Alors, autant la semaine, on est très bien organisé, tout ça, on n'est jamais à la bourre à l'école. Tout se fait en temps et en heure, autant là le samedi ça a été la cata. Bon, de toute façon maintenant les piscines ont fermé, mais bon, si jamais ça reprend, il va vraiment falloir que je mette une vraie organisation le samedi. Sinon, ouais, il était très content et tout, vous l'imaginez bien pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Mais alors Aya, elle était juste pas heureuse, elle était folle de joie. Je m'attendais à ce que ouais, il soit content, mais alors Aya, je m'attendais pas à ça. Elle était limite 10 fois plus heureuse que son frère d'aller à la piscine. Elle se jetait, elle faisait même pas attention qu'on était là ou qu'on protégeait ou quoi que ce soit. Elle se jetait comme ça dans l'eau, c'était trop trop mignon. Et d'ailleurs, c'était pas du tout comme je le pensais. Je pensais qu'il y avait un maître nageur qui nous disait un peu comment faire avec les enfants pour leur apprendre à nager et tout. Mais en fait, pas du tout. Pour les petites mamans qui ont l'habitude de ramener leurs enfants doivent connaître. Mais sinon, en fait, ils vous mettent un circuit de jeu. Et vous, vous débrouillez avec votre enfant et j'ai trouvé ça juste super génial. Ils ont plein de jeux d'eau, énormément de jeux d'eau. Vous savez, les petits bibelots, les petits bateaux, les choses comme ça, les frites, les ceintures, tout ça, n'en parlons pas. Et sinon, il y a plein de circuits différents et c'est juste top. Vous avez les circuits dans le bassin des grands, donc comme ça, le parent, il a juste l'enfant dans les mains. Et sinon, vous avez un petit circuit aussi dans le bassin des petits. Et comme ça, vous pouvez juste vous mettre dans l'eau et l'enfant joue. Et l'eau était chauffée. C'était un pur bonheur. Un pur bonheur. Donc franchement, j'ai trouvé ça juste super génial. Là, je suis en train de me préparer. On va sortir avec mon mari. Il faudrait qu'on aille chez Ikea. Parce que j'ai des petites choses à faire, des petites choses à acheter. Je réorganise ma cuisine. La plupart le savent que je devais réorganiser un peu les tiroirs, les petites choses comme ça. Je passe mon temps à faire de la réorganisation, mais un jour, je trouverai vraiment ce que je veux. Donc, on va aller chez Ikea. Les enfants seront déposés chez papy, mamie pour pas trop les fatiguer parce que déjà, la semaine pour eux est très épuisante. Il n'y a que le dimanche où ils se posent vraiment. Donc là, on voulait les ramener chez les grands-parents. Ils vont passer un bon moment. Et puis nous, on n'aura pas trop de chamaillerie. Allez, je finis de me préparer. Regardez-moi mon bébé, porte un bébé. Il est où, à côté de ton lit. À côté de ton lit. Donc on est tous en train de se préparer. Bon, ça y est, j'ai fini. Et Yaya, elle voulait absolument prendre son bébé. Du coup, je lui ai mis en écharpe. Exactement comme je la portais quand elle était bébé. Allez, Lut. Quand elle était bébé, je la portais tout le temps en écharpe. Surtout quand on allait en vacances. Elle était tout le temps en écharpe sur moi et Walid sur papa. Non, et je pense que ça n'a pas arrangé mon dos aussi. Papa. Non, toi, t'étais toujours sur maman, en écharpe. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi, ça y est, je suis prête. On attend papa, on attend Wally. C'est toujours les retardataires, on dirait toujours les femmes, les retardataires. Absolument pas. Tu n'as pas trouvé tes chaussettes. Est-ce que vous avez un enfant comme ça qui ne trouve jamais rien? Chérie, à côté de ton lit, Wally. Mais il n'est pas à côté de mon lit. Est-ce que tu as allumé la lumière? Tu l'as allumé, ta lumière? Et tu les as pas trouvées? J'en fais quoi de cet enfant? Et si moi j'y vais et que je les trouve, je vais te manger. C'est les bottes? Mais c'est pas tes bottes, Walid, c'est les bottes à Yaya. Bon, on vient juste d'arriver devant chez mes parents. Mon mari est parti m'a ramené les enfants en haut. Je suis pas partie parce que si moi je monte, je suis pas prête de redescendre. Voilà. Sinon, là, en arrivant, j'ai en fait le livreur m'a ramené ceci.
J'en ai deux, il y en a un là, un dans le coffre. Et en fait, je me suis dit que ça tombait bien qu'on allait le prendre. Ça pèse vraiment pas très lourd. Donc, j'allais le prendre pour en partager avec maman parce que je pense qu'il y en a un peu beaucoup pour moi. En fait, c'est pour ceux qui me suivent, savent que j'avais reçu des céréales de chez Muesli et j'avais franchement adoré. D'ailleurs, j'en prends tous les matins quasiment, à part les week-ends. Les week-ends, on fait un petit déjeuner, pain, confiture, croissant, etc. Mais tout le reste de la semaine, je mets un fond de yaourt avec des Muesli et des fruits. Et donc, j'ai reçu leur calendrier de l'an. Voilà, et donc c'est ce gros carton. Donc, vous voyez, là, c'est des petites portes. Voilà. Donc, vous avez tout en barre d'informations. Ils ont trois calendriers différents. Un avec que des muesli, un avec que des porridge et un autre avec un peu tout mélangé, avec des thés, du porridge, etc. etc. D'ailleurs, c'est en édition, enfin, c'est pas en édition limitée, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément. Donc, je crois que... et en plus, il me semble... En fait, ils ont un certain nombre et après, ils en feront plus. Donc là, j'ai du thé. Tout est bio, hein, évidemment, tout est bio. Et vous avez même un calendrier de l'an vegan. Voilà, il y en a même un qui est vegan, 100% vegan. Donc celui-ci, c'est du thé. En fait, c'est comme, à chaque fois, c'est des petits, c'est des mini pour que vous puissiez essayer et peut-être, si vous plaît, en prendre. Je sais pas, ah non, c'est bien fermé aussi à l'intérieur, vous voyez. Il y a le petit couvercle. Donc là, c'était du thé. J'essaye de voir à travers. On va ouvrir juste celui d'après. Je vais vous montrer un peu. La fille qui attend absolument pas. Ah, là aussi, c'est du thé. Là aussi, c'est du thé. Alors, ça, c'est quoi? Organically. Moi et l'anglais, ça fait deux. Hein. Est-ce qu'il y a en français? Non, c'est pas écrit en français. Ah, si. Mélange de thé aromatisé aux fruits de pêche, abricots et noix de coco. Voilà. Donc pareil, hein, encore une fois, c'est bio. De toute façon, tous leurs articles sont bio. Donc là, c'est encore du thé. Et il y a des porridge, il y a des céréales. Là, c'est encore du thé, décidément. Il y aura que du thé. C'est bon, ils étaient contents d'y aller? Non? C'est bon, t'as fini, je vais ranger quoi. Tu veux le ranger où? Là, derrière. Juste derrière? Attends. Là, c'est des céréales. Vous voyez, donc c'est que des. Là, c'est à peu près deux portions, hein, à chaque fois. Moi, ça me sert de deux portions. Et donc, voilà. Je vais essayer de trouver du porridge. Là, c'est encore des céréales. Hop. Bon, je fais au hasard, hein, parce que je ne les ai pas tous ouverts, évidemment. Bon, je crois que décidément, je ne trouverai jamais ce porridge. Il va falloir que je les ouvre tous. Ah, si, c'est ça. Porridge. Voilà. Des porridge. Donc ça, c'est juste à mélanger avec de l'eau chaude. Franchement, pour un petit encas, c'est juste top. Bon, allez, moi je vous laisse. Il va falloir qu'on y aille parce qu'on a à peine une heure chez Ikea et après, eh ben, c'est fini parce qu'on est sorti très très tard. Tiens, tu peux le ranger. Hop. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai un calendrier de l'an. Regardez le machin. Il y en a deux. Du coup, ça rentrait pas dans notre coffre. Il y en avait qu'un qui rentrait dans le coffre et un deuxième là. Je voulais pas l'emmener à maman tout de suite, je préfère y être comme ça. On va essayer de diviser un petit peu tout ça. Ou peut-être que je vais lui laisser un calendrier, je vais en prendre un, je sais pas. Parce que c'est vrai que deux gros calendriers comme ça, ça fait peut-être un peu beaucoup pour moi. Du coup, tu veux qu'on mette le GPS? Oui. Bah ça y était déjà. C'est ce qu'on appelle une chambre, une grande chambre. Je dirais pas non, moi, pour l'avoir. Hein? C'est quand qu'on déménage? C'est trop joli, non? Ah, mais il faut les mettre dans l'autre sens, c'est vraiment pas pratique. Ça, c'est la même taille de celle qui est. Non. D'ailleurs, tu regrettes pas qu'on ait une cuisine en blanc? Non?
ça agrandit l'espace, hein, mine de rien. Ça agrandit vraiment l'espace. Il y avait la même cuisine dans un autre Ikea, mais le robinet était en doré. Et ça a donné vraiment du charme. Ça, c'est méchant. Très, très classe. Je veux ça, viens voir. Je veux ça dans la cuisine. Tu me diras, la télé, elle est juste derrière. Hein? Quand les enfants auront un dessin animé, que j'ai ça. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on est dans les éléments de cuisine. Moi, je suis en train de craquer sur ça. Sauf que ça, bah, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai des tiroirs. Les miens, ils viennent de chez Darty Cuisine. Et Ikea, bah, c'est un peu spécial les dimensions. Donc voilà. Voilà, voilà, c'est une galère, autant vous dire. Commence à être chargé. Très chargé. J'ai dit on commence à être chargé. Il y en a de partout. Et encore, j'ai pas tout trouvé. Je suis un peu déçue. C'est fleuri. Je craque. Je suis trop fan des chambres d'enfants. J'adore regarder les chambres d'enfants. J'arrive. Mon mari qui m'a perdu en chemin. Continuons notre petit tour et moi je suis accompagnée de Roméo. Voilà, voilà, j'ai deux Roméo, bien évidemment. En fait, Roméo c'est la mascotte de la classe des enfants. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de parents déjà qui l'ont acheté, Roméo. Donc j'ai décidé de le prendre aussi pour les enfants. On me voit plus avec ce gros masque. J'ai pris ce masque là parce qu'en fait c'est des fils. Et ça, avec le foulard sur ma tête, ben, je peux pas mettre autre chose qu'avec ça. Donc du coup, j'ai pris Roméo. Trop contente parce que je sais que les enfants, ça va leur faire trop plaisir. Ils vont être hyper contents. Mais voilà, je suis super contente. Allez, on continue notre périple. C'est la première fois que je vois ces chaises-là de Ikea. Regardez, c'est transparent. Donc, ah non, là, il n'y a rien. Il y a juste une barre là à ce niveau. Et les chaises, et c'est tout transparent, c'est du plastique. Ça a l'air d'être plutôt solide, franchement, c'est super mignon. C'est très très beau. Je me dis, dans un petit espace, avoir des chaises comme ça, c'est top parce que du coup, ça donne un effet de. Comme s'il n'y avait rien. Et du coup, ça donne un effet de grandeur. Ça enferme pas l'espace. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, il n'y a que ça. Mais ils sont très très beaux. Je les ai pas vus là-haut, je les ai vus que là, près des caisses. Direction les caisses. Donne-moi le Roméo, je vais lui mettre l'écharpe. Tu veux? Non. Tu veux qu'on lui mette l'écharpe comme à l'école? Non. Non. Allez, tu veux mettre. Hein? Comment on va aller à l'école? Non, tu vas pas ramener nous, Roméo à l'école, non, non. Tu veux pas lui mettre une écharpe? Non. Roméo, la maîtresse, il a dit que Roméo, maintenant il va dehors. Roméo, il a dit, la maîtresse, il met son écharpe. Ah, s'il est à la maison, il met pas d'écharpe? Oui. D'accord, on va faire comme. Mais moi non. Toi aussi, tu veux pas qu'il mette d'écharpe? Non. Non. Allez, vous allez faire quoi? Non, 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 pas dans le lit, pas dans le lit. Juste vous allongez. Allez, et je vous chante la petite chanson. Au clair de. Notre journée se termine donc ici, les enfants se font un gros câlin pour se dire bonne nuit et ensuite au lit pour tout le monde. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous,